Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog. Donc tu vas me suivre dans toute ma journée, je vais te montrer mon entraînement, mon alimentation, tout au long de la journée. On va commencer par faire des pancakes parce que j'ai eu le couteau sous la gorge, je dois faire des pancakes. Alexis ne m'a pas laissé le choix, donc on va faire des pancakes et puis ensuite tu verras ce qui se passe dans la journée. C'est parti! Normalement, c'était pas du tout prévu de faire des pancakes parce que je ne mange pas le matin. Je mange pas le matin parce que tout simplement, je me sens plus légère pendant mon entraînement, je me sens plus énergique. Et depuis que je mange plus, je suis carrément plus à l'aise en fait pendant mes entraînements. Donc voilà pourquoi je mange pas. Ça n'a rien à voir avec perdre du poids ou tout ce que tu peux entendre sur le jeûne intermittent. Je le pratique au quotidien et c'est simplement parce que je m'entraîne le matin et je me sens plus à l'aise quand je m'entraîne. Mais aujourd'hui, Alexis en a décidé autrement et du coup on fait des pancakes. Mais généralement on en fait genre le dimanche quand on reçoit du monde. À chaque fois qu'il y a du monde à la maison en fait je fais des pancakes parce que je sais que ça va plaire à tout le monde. Donc voilà, on va déguster tout ça. C'est parti pour la dégustation du chef. Attention, ça se trouve c'est pas bon. Parce que j'ai changé de compote. J'ai jamais mangé de pancake aussi bonne ma vie. Non, je rigole. Non, en vrai, c'est trop bon. Ça change rien en fait, la compote. Normalement, j'utilise la compote de pommes, tout simplement, sauf que là, c'est de la compote pomme-fraise. Donc, je me suis dit, ça va être trop bizarre, mais en fait, c'est trop bon. Dingue. C'est vraiment trop bon. Quoi que t'aies pas vu ? Ouais, mais moi, je peux pas les attendre, ici. On a la chance d'avoir des figuiers chez nous, donc on a 5 figuiers. Donc quand on a envie d'une figue, on a juste à la cueillir dans l'arbre. J'adore. Donc du coup, on va se retrouver pour mon entraînement. Là, je vais aller bosser quelques temps. Je pense que je vais bosser 2-3 heures sur mon ordi, j'ai plus de trucs à faire. Et du coup, on se retrouve pour mon entraînement. Aujourd'hui, je travaille les jambes, donc je vais détailler toute ma séance. Je vais t'expliquer pourquoi je fais les exercices et puis quels sont aussi mes objectifs du moment. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est 14h. Ouais, 14h. Donc j'ai bossé un petit moment. J'ai même fait du handstand. D'ailleurs, j'ai oublié de te filmer ma séance handstand, mais j'ai fait un petit peu d'handstand. Là, je vais te présenter ma séance jambes. Et je l'ai changé, j'ai tout modifié. Donc je vais la tester en même temps que toi. L'objectif de ma séance, c'est d'avoir le V-sit. Donc principalement, tous les exercices sont pour réussir le V-sit, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est annoncé hyper intense, je crois que j'ai 8 exercices, je vais regarder sur mon téléphone. Donc ouais, je vais commencer avec du V-sit bande assistée, ensuite V-sit swing on bar dips. Donc là, de toute façon, je te montrerai à chaque fois. Ensuite, je ferai du good morning, mais avec du poids. Et donc ça, c'est vraiment spécifique au V-sit. Enfin, toute ma séance, tu verras qu'il y a des liens avec le V-sit. Et d'ailleurs, c'est un conseil que j'ai à te donner quand tu as un objectif d'une figure en particulier. Il faut vraiment que tes séances soient spécifiques à cet objectif. C'est hyper important. Tous tes exercices doivent avoir un lien en fait avec ce que tu veux faire. Donc, ces 3 exercices sont spécifiques au V-sit. Ensuite, on a du pistol squat, donc plus axé quadriceps fessier, mais juste parce que je veux vraiment avoir mes pistol squat des 2 jambes, parce qu'en fait j'ai qu'une jambe où j'ai pistol quoi. Donc je veux vraiment améliorer ce truc là et travailler sur ma jambe faible aussi. Ensuite on aura des 6-6 squats, donc c'est pareil, c'est juste un objectif, je veux réussir le 6-6 squat. Donc je descends déjà bien bas, sans le travailler, parce que je l'ai testé plusieurs fois. Et je veux le réussir à tous les coups, je veux améliorer ça. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans mon entraînement. Et aussi parce que c'est un super bon exercice pour les quadriceps. Et vu que dans ma séance j'ai beaucoup d'exercices ischio,
ben, je veux compenser et avoir aussi, enfin compenser, je vais essayer d'équilibrer ben, ma séance jambes et avoir quand même des exercices axés, axés quadriceps. Ensuite, j'ai du hip thrust, donc ischio-fessier encore une fois. Ça, c'est parce que j'adore le hip thrust et pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices pour travailler le fessier. Donc voilà pourquoi je le maintiens. Ensuite, du Jefferson curl. Donc là, bah, je t'expliquerai aussi pour les ischios et puis bah, aussi spécifique aux vessites. Et je termine avec du pike compression, donc pour les abdos, quadriceps. Donc pareil, spécifique aux vessites. Pratiquement tous mes exercices ont un lien avec mes objectifs. Donc ça, c'est vraiment ce que tu dois retenir. Quand tu fais ta séance, demande-toi si tous tes exercices ont un lien avec ton objectif. Talala, talala, je crois que j'ai tout dit. Donc de toute manière, il va falloir qu'on y aille, hein, parce qu'il est déjà 14h10 et je n'ai toujours pas mangé, ben, j'ai même pas faim même. Donc tant mieux, on y va. D'ailleurs, je commence avec 10 minutes de mobilité toutes mes séances pour avoir plus d'amplitude, etc. Tu sais pourquoi, j'en ai déjà souvent parlé. Je t'invite aussi à regarder ma vidéo du coup sur la mobilité 10 minutes avant chaque séance. C'est ma dernière vidéo, donc tu peux la regarder. Je t'explique aussi pourquoi c'est important de le faire avant chaque séance. Et puis voilà, c'est parti, on y va. Installé, donc on va pouvoir commencer la séance et bah, je commence tout de suite avec le premier exo qui est le V-sit bend assisté. Donc je suis à peu près 12 secondes, j'essaie. Donc là je le sens principalement dans les triceps et dans les abdos parce qu'il y a une forte compression. En fait il faut que je serre à fond mes abdos et que j'essaie de ramener mes quadriceps proches de mon ventre. Donc la bande, elle permet de libérer bah, cette compression, et en fait je le sens grave dans les triceps, la sensation elle est grave dans les triceps. En plus de ça, hier j'ai fait ma séance haut du corps, et j'ai des grosses courbatures aux triceps, je le sens. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vais faire 4 séries de 12 secondes à peu près. Ça m'aide vraiment à comprendre qu'il faut que j'ai une grosse compression abdominale, donc vraiment je serre mes abdos et j'essaie de rapprocher mes quadriceps le plus de mon buste. Et puis en même temps, bah, de garder les bras tendus, et enfin, il y a trop de facteurs à travailler, cet exercice est dingue. Donc là, c'était ma dernière série, on passe au deuxième exercice. Je vais avoir besoin des barres de dips, donc bah, c'est parti, let's go, on passe au deuxième exercice. De te stabiliser, parce que vu que tu es en mouvement, bah ça te demande de contracter encore plus, d'être plus stable sur tes appuis. Et les ressentis, c'est principalement au niveau des abdos, compression abdominale à fond, parce que forcément pour lever tes jambes, il faut que tu contractes, que tu sollicites tes abdos. Et dans les triceps, hein, je ne suis pas en démarre, mais les triceps, ils m'ont pris très cher hier. Et je le sens grave aujourd'hui. Mais je pense que c'est un bon moyen de comprendre le mouvement. Parce qu'au final, bien que je ne tienne pas la position quand je suis en haut, forcément parce que je ne sais pas le faire, au moins ça permet à mon cerveau de, on va dire, titiller le mouvement, tu vois. Et plus ça va, plus je vais bah, le comprendre. Donc ouais, franchement, trop bon exercice, trop de bonnes sensations. Et du coup, il me reste encore 2 séries. Là, je vais passer au troisième exercice, le Loaded Good Morning. Et bah, avant, je préfère, avant de me lester, enfin de mettre du poids sur mon dos, je préfère le faire sans, pour essayer de m'habituer au mouvement et tout. Je fais toujours ça, hein. Je commence jamais avec du poids avant. Donc je commence par ça tout de suite. Et puis ensuite, bah, je ferai mes 4 séries avec du poids sur le dos.
Donc là c'est parti, je me laisse maintenant avec 10 kilos et le but ça va être descendre un peu plus. Au quatrième exercice, donc c'est des pistol squats. Je m'aide d'un petit repère, donc d'un bloc, et tu verras que j'utilise aussi un pot de vernis. Un pot de vernis, c'est juste parce qu'en fait je travaille plus sur ma jambe faible, parce que j'arrive à faire des pistol squats avec la jambe droite, mais avec la jambe gauche c'est juste pas possible du tout. Donc je travaille là-dessus et puis c'est parti. Je fais 4 séries de chaque jambe, j'enchaîne les deux jambes et à chaque fois en fait. Mon temps de repos, il se trouve quand je travaille l'autre jambe. Ça tue tellement. Et en fait, pendant longtemps, j'ai entraîné. Je faisais mes entraînements en fonction de ma jambe forte. Mais en fait, j'avais tort parce qu'il fallait vraiment que je me concentre sur mes jambes faibles. Et là, franchement, tu vois bien la différence. Il y a une grosse différence, je manque d'équilibre. Enfin, par moments, je suis obligée de poser le pied par terre entre les reps. Et puis, je trouve que l'espace entre mon buste et ma jambe, elle est beaucoup plus importante que sur ma jambe forte. Enfin, je compresse grave plus. Il y a plus un travail de compression et je le sens même moi beaucoup plus sur ma jambe forte que ma jambe faible. Donc, vraiment gros travail à faire et je suis obligée de me surélever. Hein. Avant je travaillais assistée donc avec la main à quelque chose et en fait je me suis rendu compte que je m'assistais trop parce qu'au final je tirais avec mes bras. J'avais beaucoup moins de sensations que quand tu contrôles le mouvement, tu touches tes fesses à un support et que tu remontes. Donc vraiment bon exercice quand tu veux apprendre à faire les pistoles, c'est juste de réduire à chaque fois ton support, baisser ton support de plus en plus jusqu'à ce que tu t'arrives au sol quoi. Donc voilà, donc pistol squat 4 séries, il m'en reste 2 donc je te les filme pas parce que sinon ça va être trop long. Et ensuite on passe au 6-6 squat, c'est parti. Je voulais vraiment intégrer le 6-6 squat dans ma séance d'entraînement parce que ce que j'aime bien dans cet exercice là c'est que déjà ça travaille ton équilibre et en plus pendant la phase excentrique ça te demande une contraction importante et pareil pendant la phase concentrique. Pendant les deux, en fait, tu dois avoir une contraction énorme et je trouve que c'est un très bon exercice pour renforcer ses quadriceps et en plus son équilibre. Et parce que aussi, je le trouve hyper stylé, on va pas se mentir, donc voilà pourquoi je voulais l'intégrer dans ma séance. Donc c'est parti, on va voir ce que je vaux. Donc pour le moment, je vais quand même m'assister un petit peu. Donc là, par contre, je vais m'assister du mur, je pense, je vais toucher un petit peu le mur pour remonter. Et puis pareil, 4 séries, je vais faire 10 répétitions. Il me reste actuellement 3 exercices, donc hip thrust, Jefferson curl et pike compression. Du coup, je viens de faire mes 4 séries de 6-6 squats. J'ai les quadris en feu. Je redoute fortement le hip thrust hein, parce que je suis KO et j'ai faim, donc j'ai hâte qu'on aille manger quand même. Et c'est tout. De toute façon, j'ai tout dit sur mes ressentis pour le 6-6 squat. Donc, let's go pour le hip thrust! Souhaitez-moi bonne chance. Le hip thrust, je disais, je reste sur du 101 kg. Je monte pas mes charges. J'étais dans une surcharge progressive pendant à peu près 4 semaines. Là, j'arrive à 101 kg et en fait, mon but, c'est juste de faire plus de reps. Donc, je reste à cette charge-là. Et puis, de séance en séance, j'essaie de faire une rep de plus, une série de plus. Mais en ce moment, je suis sur une rep de plus, c'est déjà pas mal. Parce que franchement, avec tous les exos qu'on a travaillé avant, enfin que j'ai fait avant, parce qu'il n'y a que moi qui a travaillé, avec tous les exos que j'ai fait avant, j'ai plus de jambes. Je suis foutue, enfin, c'est intense quoi. Donc là, le hip thrust à 100 kg, ça fait mal. Donc j'y vais tranquille, les ressentis, plus de force.
Vraiment, genre normalement là j'en fais 8. Enfin, mes perfs de ma dernière séance, c'est 2 fois 8 reps. Et il y a presque 7 et 7 que je fais. Et là j'en ai fait que 7, la première. Normalement je suis à 8 quand même. Enfin là c'était même pas possible que j'en fasse une autre. Enfin je me sens pas en fait. Parce que bah, c'est intense, en plus c'est un nouvel entraînement pour moi, donc le temps que je m'adapte. Et puis j'ai pas mal d'exercices avant de passer au hip thrust, donc je pense que c'est pour ça aussi, plus trop de jus. Donc voilà, je vais finir ma petite série. Et puis bon, nous on se retrouve pour le Jefferson Curl. J'ai fini ma série de hip thrust. J'ai eu le temps de reprendre mes esprits avant de prendre la caméra parce que j'étais au bout de ma vie. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on passe au deuxième, enfin à l'avant-dernier exercice, le Jefferson Curl. Et par contre on va le faire dehors. Donc j'espère qu'il pleut plus parce que tout à l'heure il pleuvait et la caméra va pas aimer si je la mets dehors. Donc je vais voir ça, mais je pense que c'est bon. Ouais c'est bon. Donc on va aller dehors et parce que je vais avoir besoin d'avoir un sol un peu plus bas, je vais me mettre sur un support. Et puis bah mon but ça va aller. Ça va être d'aller un peu plus bas, d'aller chercher un peu plus bas avec une charge qui m'emporte vraiment vers le bas. Je pense qu'on le voit sur la vidéo, il commençait un peu à pleuvoir et il a plu de ouf, donc je vais pas pouvoir, enfin, tu vas avoir que les 3 premières reps de mon Jefferson Curl. Et d'ailleurs je suis désolée parce que je peux pas me mettre dans un angle où tu vois mieux que ça. Je suis assez limitée vu que je travaille chez moi, enfin que je m'entraîne chez moi principalement. Donc tu auras que ces petites prises de vue, je suis désolée. Mais en tout cas, moi je vais aller terminer mes séries dehors, mais je vais pas emmener la caméra parce qu'il pleut vraiment. Et puis ben nous on se retrouve pour le dernier exercice qui est le pike compression. Donc du coup je vais filmer le pike compression à la maison, comme ça je suis plus proche du frigo et dès que j'ai terminé, on mange. Et ben, let's go, c'est parti. Je fais 3 séries de 12 reps à peu près et j'essaie de maintenir la dernière en hauteur le plus possible. Mais là j'ai plus de quadriceps, plus de jambes, plus rien. Donc je vais faire mon max, enfin je vais faire de mon mieux et puis on verra ce que ça donne. Ça y est, c'est terminé. Ma séance est finie, elle est trop longue, on a mis pratiquement 2 heures, j'ai trop faim. Donc on va manger, j'en peux plus. Et puis bah c'est parti, let's go, j'arrête de parler là. Je te parlerai à la limite de mes ressentis, enfin de ma séance en général, peut-être pendant que je mange ou même après, parce que j'ai envie de profiter de ce petit moment. Comme t'as pu le voir, je me suis fait une assiette de fruits, mais je te rassure, je vais pas manger que ça. Il y a des pastèques, du melon en grande quantité, et après je vais me faire autre chose, certainement un truc sucré. Moi je mange tout le temps sucré le midi, c'est à 90% franchement, et le soir par contre salé. Je mange un peu plus le soir, après c'est comme ça, c'est une question d'habitude. C'est un mythe, hein. C'est pareil de dire que il faut manger léger le soir. Alors ça dépend, si tu vas te coucher tout de suite, oui c'est certain, puis d'une certaine... Enfin, déjà il faut éviter de se coucher pendant la digestion, il faut vraiment digérer avant d'aller se coucher. Mais moi je mange un peu plus le soir, c'est comme ça. Je vais pas direct me coucher, hein. Je fais des trucs avant, je suis assez active tout au long de la journée de toute façon. Donc voilà, je commence par pastèque et melon. C'est parti, let's go. Je commence, je vais chercher quand même une fourchette. J'ai dit que j'allais chercher une fourchette. Moi j'adore manger avec les mains, c'est un truc de ouf. Que les fruits, hein, mais je vais chercher une fourchette quand même, c'est mieux. Me voilà. Donc, je disais, je sais pas si je vais pouvoir faire les deux, manger et parler. Ça va être chaud. Mais, tout ça pour dire que normalement déjà je fais le jeûne intermittent, comme je te l'ai déjà dit
avant ce matin. Et ce matin on a mangé un peu et du coup j'avais pas du tout faim à midi forcément puisqu'on a quand même pas mal mangé, les pancakes en plus ça cale, bon, même si ça reste quand même la farine, la compote, du lait, 4 grammes d'huile, on va pas mourir, un peu de chocolat, un carreau chacun parce que j'en ai eu deux, ça colle bien encore, surtout que nous on met de la banane, du sirop d'agave dessus, tu l'as vu tout à l'heure, donc ça tient bien au corps, j'en ai pas mangé beaucoup mais quand même, puis en plus vu que j'ai pas l'habitude de manger le matin, bah tout de suite ça me coupe l'appétit et de toute manière tu vois je mange à 16h. Donc généralement je suis à 2 repas par jour, peut-être 3 quand j'ai une collation, parce que généralement le repas du midi, enfin le repas du matin, parce que moi je fais ça, le repas du matin je le fais à midi, vers 16h je remange des choses, donc fruits ou yaourt ou smoothie ou un truc comme ça. Et le soir vrai repas avec toujours des légumes, bah pas mal de légumes finalement, avec des féculents. Mais le midi, c'est vrai que... après, c'est l'été que je suis comme ça. L'été, je mange vraiment pas beaucoup de... Déjà, je mange beaucoup moins. C'est comme ça, c'est peut-être la chaleur. Mais l'hiver, je mange beaucoup plus, puis moins sucré. Je suis pas l'été, j'ai envie de fraîcheur, des fruits en plus grande quantité et tout ça. Et oui, comme t'as pu le voir aussi, je suis végétarienne. Et je crois que j'en ai jamais parlé, d'ailleurs, dans certaines vidéos. J'en ai jamais parlé. Et d'ailleurs, je vais t'en parler quand je vais passer à mon deuxième petit plat. Parce que là j'ai envie de manger en fait. Je viens de terminer mon assiette, donc là je vais me préparer certainement un smoothie, donc je vais te montrer ce que je mets dedans. Et puis je te parlerai aussi de mon alimentation un peu plus en détail en mangeant. C'est parti. J'ai terminé, c'était trop bon. Donc comme tu as pu le voir, j'ai mis une banane, flocons d'avoine, amandes, un yaourt soja, du lait, c'est tout. Et trop bon, franchement trop bon. Normalement je fais pas du tout ça, c'est pareil, je fais quelque chose de plus chocolaté, sauf qu'on n'a plus du tout de beurre de cacahuète, ni de chocolat, ni d'œuf. Donc j'ai improvisé un truc et c'est très bon, c'est pareil. Du coup pour mon alimentation, voilà, t'inquiète pas, je vais pas du tout te faire la morale pour te dire que c'est pas bien de manger de la viande, etc. T'inquiète pas, si tu manges de la viande, tu peux continuer à regarder la vidéo. Je t'en voudrais pas, y'a pas de problème. Chacun a sa propre alimentation. Chacun mange ce qu'il veut. Je vais pas du tout t'interdire, et puis même je trouve ça nul d'ailleurs les débats là-dessus. Sauf que après voilà, chacun fait ce qu'il veut, et les raisons pour lesquelles je le suis devenue, elles sont hyper personnelles, parce que déjà j'adore les animaux, et c'est principalement pour cette raison que je suis devenue végétarienne. Donc voilà, c'est tellement profond, c'est tellement quelque chose de personnel, c'est pas parce que c'était la mode, parce que ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment moi, c'est mon choix, c'est personnel. Et voilà pourquoi je tiens et voilà pourquoi ça fait 2 ans que je suis végétarienne. Je me sens beaucoup mieux en étant végétarienne que quand j'étais quand je mangeais de la viande et du poisson. Si tu manges de la viande et que tu te sens très bien dans ton corps et que t'es très bien comme tu es, c'est très bien, continue comme ça, fais ce que tu veux, c'est ton choix et l'alimentation c'est propre à chacun. C'est pour ça que les débats là-dessus, les gens qui veulent convertir les personnes qui mangent de la viande au végétarisme, je trouve ça nul, enfin moi déjà je ferais jamais ça. Je pars du principe qu'on est libre de faire ce qu'on veut dans notre vie, donc si tu veux rester comme ça, tu restes comme ça. Et voilà, souvent on me pose des questions, c'est pour ça que je veux en parler, c'est pour ça que je voulais parler de mon alimentation, parce qu'on me pose souvent des questions, on me demande si je suis végétarienne, et on me demande est-ce que ça a eu des répercussions sur mon corps, mes performances, comment ça s'est passé. Je suis devenue végétarienne quand j'ai commencé ma formation à Bordeaux, quand j'ai commencé ma formation à Bordeaux pour devenir coach. Pendant ma formation, je me suis dit, vas-y, en septembre, vu que j'avais grave limité ma consommation de poisson, parce qu'à ce moment-là, je mangeais plus du tout de viande, je mangeais que du poisson. Donc, j'avais grave limité ma consommation de poisson. Donc, je m'étais dit, dès que j'arrive en septembre, je deviens végétarienne. Nouvelle vie, nouvelle ville, nouveau départ, machin, nouvelle rencontre et tout. Je me dis, nouvelle alimentation, je vais tester. Et j'ai jamais été aussi bien dans mon corps que quand je suis devenue végétarienne. Déjà, je me suis hyper intéressée. Je me suis trop intéressée à tout ce qui était alimentation. Je lisais beaucoup de livres. Je regarde beaucoup de vidéos sur l'alimentation. Et puis
puis bah, parce que c'est passionnant, je trouve que ça va avec ce que je fais, avec le sport. Pour moi les deux, c'est voilà. Il faut avoir une bonne alimentation et une bonne activité physique, enfin un sport que t'aimes pour te sentir bien dans ton corps. Pour moi c'est ça, faut bien manger, faire du sport, bouger, etc. Et moi c'est le combo parfait pour être en bonne santé. Puis bah franchement bah c'est à ce moment-là que j'ai explosé mes perfs. Franchement, j'ai jamais été aussi, après parce que je m'entraîne beaucoup plus qu'avant, puis maintenant j'ai des connaissances, mais franchement, mon alimentation, elle ne fait aucun blocage par rapport au sport. Hein. Ça va très bien avec ce que je fais, j'ai jamais ressenti de fatigue, de baisse d'énergie. Au contraire, je suis beaucoup plus énergique qu'avant, je trouve. Tout est bénéfique, donc voilà pourquoi je reste comme ça. C'est sûr que je me ferai pas du mal, je pars du principe aussi que j'ai envie d'être bien dans ma vie, j'ai pas envie de faire les choses à contre-cœur. Donc si je suis végétarienne, c'est que je le veux et personne ne me l'a imposé, cette alimentation. Donc voilà, je t'invite à faire la même chose d'ailleurs. Si on t'impose de manger de la viande et que t'as plus envie d'en manger, bah moi je vais t'inviter à ne plus en manger forcément, à faire ce que t'as envie. Le plus important, c'est de faire ce que tu as envie, ce que tu ressens le meilleur pour toi, parce que c'est à ce moment-là que tu vas ressortir de la frustration. Faut le vouloir au fond de soi en fait. C'est la volonté qui est le plus importante. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je m'arrête là, on va se retrouver au repas du soir, je vais préparer à manger. Et puis je te quitterai à ce moment-là, parce qu'après Alexis rentre, on va manger ensemble, et puis après bah, c'est fini quoi. Re-coucou. Du coup, petit imprévu, Alexis vient de m'appeler pour me demander en mariage, non je n'aime pas du tout, pour, je dis de la merde, pour m'inviter au restaurant. Donc il m'a appelé pour réserver le resto. Du coup je me suis dit, bah tant pis, je vais être obligée de reporter le repas de ce soir, le repas que je devais faire ce soir, à demain soir. Donc ça se passe pas du tout comme prévu, mais la vie est faite d'imprévus. Et puis bah, je peux pas refuser une invitation au restaurant forcément. Franchement, il a vraiment décidé de foutre mon vlog en l'air entre les pancakes ce matin, le resto ce soir. Non, je rigole, il est trop mignon. Du coup, bah, on reporte ça à demain soir. Demain soir, je ferai à manger, je filme le reste que je mange. Et voilà, parce que bien entendu, je vais pas filmer ce qu'on va manger au resto. Enfin, déjà, je veux profiter de ce moment. Et en plus de ça, ça se fait pas, je pense que j'ai pas le droit. Donc voilà. Je vais juste vous présenter peut-être ma tenue, je vais me faire belle. Et puis du coup, bah, voilà. Je présenterai mon petit look de ce soir. J'ai mis ma petite, une petite cotte noire avec une petite paladine rose, le petit chouchou pour aller avec, et puis sautez-moi bon appétit. Me revoilà, ça fait 24 heures que je t'ai parlé et donc là on est le lendemain soir. Donc je me suis posé des questions, je me suis demandé si je te filmais toute ma journée d'aujourd'hui, mais au final je sais que le vlog il va durer hyper longtemps. Donc je me suis dit non, comme promis, je te filme le repas de ce soir, mais c'est tout. J'aurais pas pu te filmer autre chose, enfin, sinon le vlog il va durer trop longtemps. Déjà je sais qu'il est hyper lent. Donc non, je vais cuisiner et puis je te montre le repas de ce soir, on va cuisiner ensemble. C'est parti. Du coup je pense que je vais partir sur du riz, donc là je viens de mettre de l'eau à chauffer. Je vais faire du riz avec des petits légumes, je vais faire des aubergines avec des oignons, de l'ail. Et des poivrons. Donc c'est parti, l'eau est en train de chauffer, on coupe les légumes. Et là je viens de mettre mes oignons et mon ail à l'intérieur de cette fabuleuse petite chose. Donc c'est parti, allons hacher les oignons et l'ail. Ah merde. Vu que je vais aller trop vite, j'ai bloqué le truc, donc il faut que j'enlève les oignons. Ah. J'ai mis un petit peu d'huile, j'ai mis l'ail avec des oignons, donc pour faire revenir un petit peu mes oignons, et je vais mettre un petit peu de sirop d'agave. Mais le truc c'est que si je filme, je sais pas si vous allez bien voir parce que ma lumière est pourrie. Et là je viens d'ouvrir la porte parce que sinon bah, je manque de luminosité et on voit rien. Donc, bah, je vais quand même essayer de filmer, mais je sais pas trop si ça va se voir. Du coup, j'utilise du riz complet, c'est à peu près 10 minutes de cuisson. Donc là, je viens de couper mes poivrons dans la longueur. Je vais les ajouter directement aux aubergines. Et bah, là, on va pouvoir mettre un peu d'épices, un peu de... Je vais vous montrer ce que je mets aussi. Donc là, on ajoute tout ça. Tac, tac.
Donc là, je vais ajouter un petit peu de sauce soja, j'en mets vraiment dans tous les plats. Ensuite, ce qu'on va ajouter en plus, moi j'adore mettre plein d'épices, donc ça va être riche en épices. On va mettre... Là, on va mettre du chili powder. Ouais, alors ça, attention, on l'avait acheté en Thaïlande. Ça arrache. Tu mets 3 petits grains, c'est un truc de fou comment ça t'arrache la bouche. Donc clairement, je ne vais pas en mettre beaucoup, mais j'aime bien quand même. Je vais en mettre un peu. Pas que je fasse les ouf, sinon je suis capable de niquer tout le plat. Donc on va y aller tranquille. Ça, vraiment rien sur la cuillère, ça va donner du goût. Ça c'est bon, on va ajouter un peu de cumin, j'adore le cumin. De toute façon j'aime toutes les épices. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un peu de cannelle, j'adore mettre de la cannelle dans les plats aussi. Et puis on va mettre du curcuma. On va laisser mijoter nos petits légumes. Et ce que j'ai envie d'ajouter, un petit peu de maïs. Je m'excuse encore pour la lumière, là franchement c'est pas ouf, ça fait une lumière jaune, mais bon, tant pis, on s'adapte. Je vais ajouter un peu plus de trucs, j'ai vraiment envie que ça ait du goût, donc je vais mettre un peu plus d'épices, genre mélange italien. Tac, tac, tac. Place à la dégustation. Place à la dégustation. Attention. On va voir si c'est bon. Hein. Fourchette. Ça se trouve. Prêt. Attention. Parfait. À vos marques. Prêt. Go. Alors. C'est une dinguerie. Franchement, c'est super bon. Et je dis pas parce qu'il y a la vidéo. C'est vraiment très bon. Bah non, en même temps, te dire. Bien joué. Non, franchement, c'est super bon. On dirait un peu un chili con carne quand tu es. Bah oui, vraiment. Bien joué. Trop bon. Très bien. Les épices, ça fait tout en vrai. Ouais. Voilà, je suis un chef, hein, clairement. Non, franchement, c'est trop bon. En vrai, je pense que de toute façon, dans tous les plats, si tu réussis ta sauce, t'as tout gagné. Parce que tu peux mettre n'importe quel légume ensemble, tu peux mettre n'importe quel féculent, tant que t'as une bonne sauce, ça fonctionnera toujours. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va manger, donc bon appétit à nous, et puis on débriefe juste après. J'ai terminé de manger, j'ai tout mangé, c'était super bon, et Alexis aussi l'a adoré. Du coup, bah, le vlog touche à sa fin, ça fait, je pense qu'il va durer quand même pas mal de temps, je le dis plusieurs fois parce que je le sais déjà, mais du coup, ouais, ça m'a fait super plaisir de filmer sous ce format-là, c'était la première fois que je filmais un vlog, et puis j'ai trouvé que c'était super cool. En plus j'avais pas de script donc c'était plus spontané comme dialogue et j'ai vraiment aimé tout partager. On a vu quand même pas mal de choses, j'ai parlé de mon entraînement, je l'ai beaucoup détaillé avec mes ressentis, mes objectifs, je t'ai donné des petits conseils et on a vu aussi mon alimentation. Donc franchement ça m'a fait super plaisir de filmer ce vlog et donc de te présenter tout finalement, présenter un peu ma vie parce que c'est hyper personnel ce que je t'ai montré. Donc ouais, franchement top et à refaire. Et si tu veux que je te coach, si tu veux que je te fasse un programme d'entraînement ou un programme alimentaire, c'est possible, je vais te mettre le lien directement en barre d'infos. Je vais te mettre aussi les recettes que j'ai faites pendant ce vlog, donc la recette de pancake, la recette de ce soir, du repas de ce soir, en barre d'infos aussi, comme ça tu pourras les avoir. Et puis voilà. Moi je vais te souhaiter en tout cas bon courage pour tes entraînements. Et puis bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!